Alors, Guy Nantel avec des membres du groupe Samajam, Toshlaga Maisonneuve, et nous, notre thème, ça va être la pollution par... Les nombreux aujourd'hui. Hein? Quoi? Quoi? Par le bruit! Dans ce thème merveilleux de la pollution du bruit, il y a aussi les silences qui sont très... En fait, c'est ce qu'on recherche tous. C'est le silence à un moment donné ou l'autre. On va faire l'équilibre entre les deux. On est percussifs danseurs. On a une gang qui joue du brésilien, on a de la gang qui joue de l'africain, il y a des latins, donc le conga, etc. Alors nous, l'arrondissement, c'est Villeray-Saint-Michel Parc Extension, puis le thème qu'on a voulu explorer, c'est la multi-ethnicité. Et pour ça, on s'est inspiré du tissu, quelque chose qui se déroule. On va trouver une idée de quelque chose qui déroule, un gros ruban qui exprime le tissu social. Et ce tissu-là se transformerait avec la musique, qui elle aussi se transformerait. Et en fait, c'est un peu ce thème-là qu'on veut développer, la transformation, et comme toutes ces cultures-là qui se mélangent et se mêlent l'une aux autres. Commencer Ville-Saint-Laurent, très important. Sans le boulevard Saint-Laurent. Non. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Fait que c'est Ville-Saint-Laurent. Puis le thème pour nous. Je présente le thème. C'est le gaspillage et la surconsommation. Fait que les gens qui consomment plus que ce qu'ils en ont besoin. Le gaspillage et la surconsommation. Alors, on va voir une globe terrestre comme notre lanterne, parce que c'est tellement beau, le globe bleu. On va voir des ours polaires qui tirent ça, et puis derrière... Des vrais, oui. Derrière ça, il y a le party autour du globe. Le party point, tout le monde s'amuse, vraiment, c'est le fun, il y a de la musique. Et on pitch des affaires, surtout des bouteilles d'eau, des cellulaires. On pitch tout ça, on boit, puis on jette. Et en arrière de nous, c'est les enfants, une vingtaine d'enfants, tout habillés en blanc, puis tout, avec un masque pour le grippe. Puis eux autres, ils ramassent toute la merde que nous autres, on jette. Nous sommes Vaudreuil-Dorion, ville invitée au Chalet-Marie de cette année. Et notre thématique sera reliée à l'endettement, à la consommation aussi. On y verra les gens enchaînés à ce qu'ils consomment et proposant aux spectateurs de s'enchaîner aussi. Humaniste, commercial. On va voir des gens qui tirent peut-être une dizaine d'immenses chaînes qui supportent une immense chaîne. Et ces chaînes-là, c'est un immense panier de ce que vous voudrez, de bouffe, etc. Et il y a des chaînes qui sont lousses et on a des hommes sandwich déguisés en carte de crédit qui offrent aux gens de s'enchaîner s'ils le souhaitent avec eux. Le thème, l'argent mène le monde. Voilà. Non, c'est les cochons. Oui, les cochons mènent le monde. On est dans le clash, et nous autres, on est partis avec l'idée du cochon. Donc, le cochon tatoué, le cochon qui règne sur le monde et avec l'argent à travers tout ça. Oui, donc, on a eu une démarche un peu étrange. Là. À un moment donné, on a eu l'idée du son que tout le monde avait une tirelire. Brasser la tirelire, donc de brasser son change dans ses poches, c'était l'idée de la musique de départ. Après, on a eu l'idée du cochon, donc notre lead, celui qui ouvre le défilé, est un cochon géant, mais il est tatoué. On représente l'arrondissement de Montréal-Nord. On est l'équipe qui va faire la clique. Le sujet, ça va être le pot de vin. Et on est supporté par le créateur du groupe Uniforme. Puis on a des artistes en Albisol qui vont s'impliquer avec nous. Ça va être le pot de vin. Alors le monde va se promener avec un sac de papier en brun. Et ils vont être tout costumés avec des cravates vertes. Puis la partie lanterne et tout ça, on va les travailler par rapport en direct aux enveloppes. Alors, le monde va donner des enveloppes au public. Tout est brun. Alors, on est l'arrondissement du Sud-Ouest. On travaille avec Yvon Deschamps et vu que les gens du Sud-Ouest ont une appartenance très très forte à leur quartier, on veut rendre ça universel, je dirais, à travers Montréal. Donc, notre thème, c'est
je ne veux pas de place pour vivre, mais je veux vivre à ma place. Et on va développer un tableau autour de ça. Je veux pas de place pour vivre, je veux vivre à ma place. Dans le sud-ouest, il y a beaucoup de pression urbaine. Les gens cherchent où ils sont dans ce tableau-là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est parler de comment on habite la ville, comment on travaille. On a réfléchi à la lanterne. On l'imagine peut-être. La lanterne, elle est un peu morte au départ. Est-ce que c'est une usine? Est-ce que c'est un condo? Et elle se transforme en lanterne chinoise, par exemple. Donc, on imagine vraiment un tableau en deux temps où il y a quelque chose qui potentiellement est trop... peut-être trop dirigé par seulement des notions de rentabilité économique pour ensuite faire place au jazz qui est né aussi au sud-ouest. Donc, une belle tension à travers ce 4 minutes-là. De l'ombre à la lumière. Exact. Bravo. Vous applaudissez.